Salut VOD. On est chaud potate. Salut VOD, on est sur... Ah. Hop là, je vais cacher le chat. Parce que voilà. Oula. Parce qu'on épure un petit peu l'écran. On est sur du coup notre troisième session de FF7 Remake. Oh, hein. Les petits cœurs. Et on avait un petit point de checkpoint. J'avais acheté des trucs normalement. Ah, je peux acheter des trucs comme ça. Vas-y, j'en achète une. Ah, le mélange des musiques qui rend ouf. Alors, je vais mettre un équipement à l'un de mes machins. Niveau 13, niveau 13. Tifa, elle a quoi? Gilet pare-balles, bracelet, gants. Moi, la constitution augmente la magie. Permet d'échapper à l'état inconscient une fois par combat. Augmente la défense contre les attaques de feu de classe de foudre. Augmente la force. Je sais pas ce qui est bien pour Tifa, moi. J'ai acheté une boucle d'oreille et je la vois pas. Du coup, je la mets à qui, ma boucle d'oreille? Bon, Barrette, t'as quoi, toi? Ah bah, il te manque un truc, là. Je peux lui mettre le poignet de force. Pour Barrette. T'as quoi, Cloud? Ah, mais t'en as pas non plus! Mais qui c'est que c'est Batagoa qui est en... magie. Voilà, petite boucle d'oreille. Voilà, tu vas. Super. Ok. Petite save, comme ça c'est fait et on se casse. On va finir. Alors on était dans des sortes de métro, en gros. Ah oui, on devait suivre les images de petits chiens. Qui est le symbole de ceux qu'on n'aime pas. Le bracelet en fur. Mélange de musique, mais oui! C'était là? Croyez pas que vous allez pouvoir aller plus loin. Ils m'ont fait peur. Oh, ils m'ont fait trop peur. Ah merde, on tape comme ça, c'est vrai. À chaque fois, je tape avec gâchette. Disparais. Garde ton sang-froid. Aucun problème. Faisons autrement. Ah. Mange-toi ça. Ils m'ont fait sursauter, j'ai eu peur aussi. Et ouais, ça a commencé. Franchement, c'était trop d'un coup. I wasn't ready. Soin, non, loot, juste loot. Oh, le Delbor. Allez, allons ici. Arrêtez de marcher sur des trucs. Bizarre, ça. Comme s'ils voulaient pas qu'on détruise tout. Depuis quand? On a tout cassé déjà. Oui. Salut Vivi. Il va nous indiquer où se trouve le passage. Bah en fait, on a tout cassé. Enfin, honnêtement, ça se casse vachement facilement. Pour péter une table avec un coup d'épée. Bah, même une table Ikea, tu galères un peu, hein. Franchement, tentez avec la petite table basse pourrie que tout le monde a chez soi, en aggloméré de bois, là. Le genre de table où si tu tapes un peu dessus, bah t'as la trace tout le temps. Eh ben, essayez avec une épée, ce sera pas simple. Salut, Moglobine Dark. En même temps, je sais pas pourquoi vous feriez ça. Hein, de quoi? Oh, le dogo. Oh, qu'est-ce que c'est? J'avais pas fait gaffe. Bah oui, écarte-toi meuf. Pourquoi tu t'approches du truc?
La meuf, elle est en... Je sais pas, elle est en tourisme. Un lion qui dort. Je vais essayer de le caresser, j'ai toujours aimé les petits chats. J'ai pas de table basse chez moi. Moi, j'ai un truc, mais qui n'est pas une vraie table basse. C'est un truc qui roule. Table qui roule. Mince, celui-là, en fait. Une vieille machine de guerre. Elle est tout abîmée, alors. Elle est lente, mais elle a une grande puissance de feu. Attends, 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 je me concentre. Attends. Je vais prendre lui. Je vais me placer, je vais me cacher. Grosse décharge. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attaquons ses pattes. On va l'arrêter. Oui, attaquer les pattes. De fou. Ah, je me brûle. Depuis quand? Je suis pas, je devrais pas être sensible au feu. Je suis dans un jeu. Oh oui, le jeu on est sensible au feu. Attends. Choc combustible, patte avant droite. Non, non. Je vais faire ça et ça. T'as raté, meuf. Non, mais vise ça. On l'attaque pendant ce temps. Compétence, piquer du... Non mais faut que j'analyse, je suis con. Attention à toi. Il est où? Il est là celui-ci. Ok. Attention, analyse, analysage. Compétence d'analyse, voilà. Ça va te calmer. Augmente considérablement lorsqu'on m'afflige une lésion. Ah, il faut faire... Faiblesse, l'électricité. Légère résistance, il est résistant aux écrous. Il est immunisé à la parole, aux bulles, au sommeil, à la baisse d'écrou et aux dents de fauve. Ok. C'est des trucs que je pratique pas moi du coup, donc ça va. Aux écrous en pause. Oui, je voulais dire ça aussi, mais je savais pas si vous le voyez bien. D'accord. Alors, des lésions. Si je fais compétence, je peux faire des trucs genre... En quantité de dégâts, un coup tranchant. On va viser la patte qui est la plus proche. Ah, c'est pas mal. Ok, compétence, encore lésion. Alors toi, j'aimerais que tu fasses un truc du style ton sort d'électricité foudre. Pas mal. Je sais plus qui prendre. Je suis Tifa ? Ouais, ça va pas me servir d'être Tifa là tout de suite en fait. T'as pas des sorts, c'est toi le sort. Invocation ! Eh, je peux bientôt invoquer. Oh non, il va se transformer en moto. On a de la visite. Ce sont des drones. C'est souvent un truc qui se passe dans ces jeux-là. Non. Trop chiant. Faut se débarrasser de quoi, t'as dit? J'ai pas écouté. Attends, hop. Sort. Poudre. Poutre. Ah oui, il est ça. Ok, si je fais ça. Hop là. Hop là. Je suis caché, j'en ai rien à foutre. Ok, hop, compétence, et là je fais foudre. Sort, je foudre. Il n'y a rien à foudre. Attends, sort, on va se soigner soi-même. Ok. Oui, si tu veux, je m'en fous. C'est pas toi que je voulais utiliser, c'était toi. Et sache. Oh, je peux invoquer! Let's go. Vas-y. C'était un match de hockey. C'était un match de ouf. On a gagné 6-4. GG. GG le match de fou. Moi, j'ai pas été un match de hockey et j'ai pas gagné, tu vois. Compétence d'invocation. Oh, fais plongeon. Patte avant droite. Aucune idée de ce que ça va faire. Ah,
Claude. C'est nul. Ah, Claude, dégage. Mais il se faisait avoir comme une petite merde, bordel. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça mon invocation? J'avais oublié. Oh, ok, c'était beaucoup de... Eh, franchement, c'était beaucoup d'effets pour pas grand-chose. Hein. Je veux pas dire, mais... Hein... J'ai vu plus efficient, quoi. Soin à Tifa. Voilà. Choc combustible. Peut-être c'est bien. Oh, c'est trop pourri. Tifa, tu vas décéder, ma grande. Je préfère que tu le saches. Meilleur temporairement aux attaques morts normales. Saute en l'air, un coup puissant. Personnage soigne, altération d'état poison. Ok, tes sorts, glace, et ben go glace. Hein. Voilà. Deux secondes. Ah. Mange-toi ça. Ça va te faire vibrer. Oh. Oh, voilà. Ça commence à m'emmerder tout ça. J'espère que ça... Dégage de là. Ah. Ah bah quand même. Coucou. Coucou, c'est qui? Pardon, je suis concentrée. Ah! Il est où, Claude? J'aimerais bien le... Ah, il est loin. Tifa, tu peux arrêter de te prendre des balles sans réagir, s'il te plaît? Disons que ce n'est pas très utile ni pour toi ni pour nous. Sort. Soin. Bah non, alors. Donc j'ai plus de sort de... Ah si, soin. Tifa. Allez. Ok, je vais lui dire de faire une compétence de piquer du talon au drone, tiens. Bon courage. Voilà. Compétence d'enseignement secret, tiens. Ah, j'ai plus ma foudre. Oh, mais non, pas soi. Non, non, non. Non, compétence. Volonté de fer. Ah ouais, ça marche pas du tout en fait. Elle s'en sort la piote à votre avis? Figure de faire tour en l'air. Sur le drone. Ça a l'air de marcher ou pas? Est-ce que tu t'en sors un peu toi ou genre vraiment on dirait pas hein? Non mais je vais arrêter de la jouer en fait. Je pense que je la joue mal. Ok, Barrette. Need you. On va ressusciter lui. Non, arrête de viser s'il te plaît. Ok. Objet. Ah mais je suis pas besoin d'être à côté en fait, Claude. Il est trop tôt pour abandonner. Ok, objet, je vais tout de suite faire une super popo sur Claude, qui va déjà mourir. Concentre-toi. Je peux faire. Non mais vise le drone, je t'en supplie. Ok. Ça me va. Oui, ça te va, mais t'es mourant, mec. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. Ça fait mal, hein. Voilà. Sors, soin, Claude. Allez! Je compte sur toi! Allez, je suis prêt. Non, c'est toi que je veux. Non, pas feu, compétence. Âme brave, patte arrière gauche. Dans le mille. En ça, tiens! C'est cadeau! Au secours! Ah ok. Soin à Tifa. Ah,
Elle m'éclate. Ok, super popo tout de suite. Ok. Garde ton sang-froid. Ouais, laisse-moi faire. Ah, hop, tire mon temps. Mange-toi ça. J'arrive. La scène, ça te change. Merci pour le follow. Désolé, je suis super focus. J'arrive de fou. Mais après. Tout à fait. Ils sont tous détruits. Allez, on dégomme le gros tas de ferraille. J'espère que ça te plaît. Non, non, je vais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Merci, Donnie. Te tiens, toi. Alors, toi. Faut que je fasse ça. Ah merde, y'a toujours pas de truc. Voilà, là, faut que je fasse ça et faut que je fasse compétence et ça. Et ça, il aime pas ça, normalement. Pas fou. Alors, excusez-moi, j'ai un peu le chat. La queue du phénix. Alors, on est d'accord, la queue du phénix. Ça manque de papillons dans ce jeu. on est d'accord que le truc de phénix, je peux le faire de loin, non? Tifa va attaquer les drones avec tes points pendant que je regarde en rigolant avec ma Gatling. Mais non, mais Tifa, elle avait plein de vie. Heureux Sam. Tu peux tout faire de loin. Naze. On l'a eu. Arrêtez avec ça. Les terres pour récupérer les... Ouais, t'as raison, t'as raison. Je vais faire ça. Oh ben, c'est une moto. Encore. Je vais utiliser sur Tifa. Ah, c'est de l'éther, j'en ai pas beaucoup. Et je donne à Barrette. Ton trou pourri, c'est ça. Canon auxiliaire, tiens. Nickel! Ah! Je t'attends. Comment ça, je t'attends? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Je nous prépare. Ah, tu vas mourir. Regardez si tu t'en vas pas. Je les ai sauvés tous, non? Très bien. Attends. C'est une attaque foudroyante. Oui, foudroie, foudroie. De fou. Pas de chance pour toi. Pas dingue. Donne-moi ça. Je vais te faire sortir les yeux de la tête. Ah. Tu peux compter sur moi. Je change. Sors en fait, soigne-toi mec. Mais il est trop foufou. Mange-toi ça. Mais ça marche pas. Ah, attention. C'est un homme. T'as pas raté non plus. Je veux pas dire, mais tu t'es fait défoncer en fait. Non, t'arrives pas, Tifa. Choc transperçant. Allez, je tente choc transperçant. Mais ça marche pas. Il faut que j'analyse, je pense. Prends
Là, j'ai pas de compétences, merde. Ça va te faire vibrer. Ha ! La chercher. Ok. Je voudrais juste analyser, en fait. Compétences. Analyser et le canon. Parce que le canon, je n'arrive pas. Ouais, c'est les mêmes choses. Faiblesse et électricité. On va retester, hein. Encore un tir électrique. Si je reste au milieu, ça va ? Ouais, fais des trucs, ma petite. Je piquais du talon, go. Attends, c'est lequel que ça vise? Je vois pas bien. Ah, quand même! Je serai sans pitié! Donne-moi ça! Il s'est déjà dressé! Détruisons son blindage! Ça devrait l'affaiblir! Ouais, bah tuons-le, quoi! Allez. Et ton dragon ascendant. Moi je voudrais que ce soit l'ulti de Barrett. Ça va faire mal. Attention. Non. Compétence. Âme. Bah la barre elle est enfin à fond. Transcendance. Je vais t'effacer de la surface de la planète. Non mais dégage, c'est toi que je veux. Désolé. Mais c'est bon, on est pas mort là, la barre de vie est vide. La barre de vie est vide là. Et justement vide, juste. Bon bah non hein. Apparemment, il faut faire plus. Encore un tir électrique. Non, t'es mort, bordel. Pas de tir électrique de mec. Salut Jade. Bon débarras. Salut apprendra. Partons. Ouais, par là. Attaque le derrière, oui, tu avais raison. Alors je suis les boss dans ce jeu. Ah c'est... Après moi j'avoue que j'ai jamais aimé les boss de type mecha, j'espère qu'il n'y aura pas que ça. T'as pas cette sensation de faire des dégâts sur un mecha? Voilà qui est ennuyeux. D'après le bureau d'analyse, des valeurs anormales ont été enregistrées. Après ça, nous avons perdu tout contact avec le prototype. Merci. Des valeurs anormales.
mal. J'ai l'impression qu'encore une fois, on n'est pas sûr tout à fait que ce soit le méchant, mais il y a des suspicions. Non, le module d'analyse avait l'air de fonctionner correctement. La seule explication, c'est que les sujets ont largement dépassé nos estimations. Estimations. Qui aurait cru ça? Les systèmes de surveillance du point E, ils sont tous détruits. C'est le président. Oui, effectivement. Allô? Oui. Il n'y a aucun problème. Au contraire, Mito. Nous devrions obtenir des données intéressantes. Oui, j'en suis bien conscient. J'ai cru que c'était mon téléphone qui vibrait. Nous savons où se dirigent les intrus. Si vous êtes sûr que vos réglages ne sont pas en cause, trouvez-moi vite les raisons de ces valeurs. Et si vous n'y arrivez pas, je vous enverrai sur place pour évaluer vous-même leurs capacités. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que je suis plutôt gentil, non? Bah oui, je vous autorise à respirer. Écoutez ce rire de gentil. Je savais tellement qu'il allait faire un rire. Il le fait un rire sans raison, quoi. C'est, je le savais, hein. Derrière les conteneurs, on va se faufiler. Aucun sens. Hé, hey, Tifa, t'es morte, meuf. Merde, c'est vachement étroit. Non mais il y a 2 mètres qui te séparent. On voit que le dos ne touche même pas le truc. Ça va. Non mais oh la drama queen. Oh punaise, tu serais pas diva d'une télé-réalité dans vous une autre vie, toi? C'est une machine comme ça quand vous vous êtes infiltré dans le réacteur numéro 1? Ouais. Je sais pas, mais. Une en forme de scorpion. Ah tiens d'ailleurs. Tiens. Quoi on pourrait comparer celle de. Prends une popo. Hein? Eh ben, je sais pas trop. Attendez, je peux utiliser mes soins, moi. Ça me demande des PM si je le fais? C'est pour montrer qu'il est méchant parce que c'était pas très clair, effectivement. Trop de subtilité, le joueur est perdu. Tout comme prévu. Tique-toi comme prévu. On descend avec ça. Ouais. Oh, ça va être marrant ça par contre. Attendez. Eh, hey, les petits copains. Est-ce qu'on se préparerait pas un peu? Je vous donne des petites popos, j'en ai plein des popos à la con comme ça. Drama Queen présente. Eh ben écoute, Barrette, on est complètement une aussi. Voilà. Parce que j'avais acheté trop de potions normales et en fait elles sont pas si ouf. Faudrait que je m'achète plutôt des soupes potions. Et au niveau de l'éther, j'en ai pas beaucoup par contre. Dans subtilité, il y a sub. Coïncidence? Probablement. Attention cinématique. Non mais ça va. Ça risque de se corser un petit peu. Je pense qu'on m'a mise Gucci aujourd'hui. Je... On va voir. Voilà. On va voir ce qui se passe. N'importe quoi. Chapitre 6. Attendez, je le mets dans le titre. Voilà.
Il n'y a plus qu'à traverser le correcteur numéro 5. Vous me faites rire avec les visages choqués qui apparaissent partout. Ça doit pas être bien compliqué. On voit le pilier du réacteur là-bas. Les persos sont pas assez défoncés. Ouais, en fait, c'est ça. Ils ont besoin de leur petit sniff là. Ah, ou autre chose, je sais pas comment ça se consomme de l'éther. J'ai. Et oh. Il y avait une suite en fait. F, c'est le nom de cette section. Faut traverser la G pour pouvoir atteindre la H. La plateforme de la section H va nous amener près du réacteur. Biggs nous attend là-bas normalement. Le soleil a commencé à se coucher, on dirait. Tout le monde s'y met. Hanté, elle a contaminé tout le monde. La Shinra va comprendre sa douleur. J'aime bien Sam qui pose les vraies questions. Elle sert toujours à rien, elle. Et que le blond chelou avec ses cheveux chelous. Ça dépend des mobs et de leur sensibilité. Vu que elle maîtrise la glace, elle m'a été très utile lors d'un dernier boss, lors d'un boss d'avant. On voit tout le bidonville. Punaise, ça s'écrase, ça nique tout un pays. Parce qu'elle a une capacité de glace. Tais-toi. Le blond. Avance. Oh mais quel relou lui. Vous avez le cœur bien accroché. Moi je passe sur le côté, je me tiens à la rampe. Mais bon, j'ai le problème d'être peut-être trop intelligent. Cette porte mène à la section G. Il cherche le G. Son énorme épée de compensation. Mais voilà, ça va dépendre des sensibilités en fait. Lui, il peut trancher et il a du feu. Elle met des coups autres. Donc j'imagine que c'est des attaques physiques non tranchantes et elle met de la glace. Lui, il peut mettre de la foudre et des attaques à distance. Donc voilà. Ils sont assez complémentaires. Mais c'est vrai que elle, c'est celle dont je me sers le moins. Mais parfois, il y a des sensibilités à la glace, alors c'est bien. Alors ? Y a pas de courant. Il a l'air d'y en avoir là-bas. Une salle de contrôle. Il a quoi ? Allons voir ça. Ouais, allons voir ça. Cette porte là, elle n'est jamais utilisée ? Moi, j'ai carrément la. Quand t'as dit bidonville, j'ai pensé à une ville en forme de bide. C'est exactement pour ça que ça s'appelle. Bah oui, non mais c'est un personnage chelou hein. On y croit zéro à ce gars-là hein. En plus il a une tête de bébé, mais le mec a un vécu de ouf. Alors oui, bonjour, je m'appelle Claude. J'étais dans l'armée pendant 25 ans, mais maintenant je me suis reconverti en mercenaire. Mais... me parlez pas trop. Je suis un peu de mauvaise humeur et mystérieux. Je regarde comme ça. Todd. Todd, t'es plutôt comme ça. Ça se gueule, Todd. C'est ta vraie voix? Oui, c'est ma voix de quand je... Ça, c'est ma voix que je force pour avoir l'air normal, mais normalement, je devrais parler comme ça. Mais c'est un peu aigu, quand même. C'est dur en cas de pénurie d'électricité. Il suffit d'éteindre des projecteurs pour obtenir le courant nécessaire en cas d'urgence. Ces projecteurs, ce serait pas ce qui sert de soleil sous les plateaux? C'est comme ça que les gens d'en bas appellent ces immenses lampes. Si on éteint un des projecteurs, on pourra donc ouvrir la porte. Tiens, vas-y, Game Boy. Le bidonville sera plongé dans le noir. Les gens ont besoin de cette lumière. On va détruire un réacteur Mako. Ces projecteurs finiront par s'éteindre. Oui, tu as de quoi raison. Comment ça, mon épée, elle est déchargée? Redescendons. C'est bizarre de dire ça. Non, c'est pas... Oui, on dirait la batterie, d'accord. Soleil. Le fait qu'il n'y ait pas assez de courant par ici. J'écoutais pas ce que vous disiez. Je dirais que c'est plutôt parce Tifa. Que personne fait de contrôle. C'est vraiment pratique d'avoir de la lumière. Mais ah bah oui, c'est bien la lumière. Moi, j'aime beaucoup la lumière. Surtout quand elle est allumée. Sauf quand il y en a trop. Du coup, ça, c'est pas bien. Je vais où, les copains? Bon bah, je m'en vais, hein. Je vais pas écouter du tout. Une épée de compensation, déchargée, tout ça. Ouais, 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 bon... Il y a des allusions plus... mieux. Répète, Tifa, lisez le chat. Quoi? Non, rien. Je vous suis, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, j'improviserai sur place. J'ai l'habitude d'écouter à moitié. Je m'en occupe.
Ouais, je m'en occupe. Nous t'attendons ici. Bah oui, bien sûr, je sais bien. J'imaginais pas autrement en fait, hein. Je m'en fous, monsieur Cloud. Juste la date. Parce que j'ai fait l'armée. À l'armée, on a appris. Super, une mission rondement menée. Mise en marche du générateur d'urgence. Réactivation des portes en cours. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Réactivation des portes en cours. Veuillez évacuer. Bah oui, je sais, j'ai juste eu un putain de levier à activer. Oh, je suis agressive. Pardon. Je vais arrêter d'être agressif comme ça. C'est des cailloux. C'est des petits cailloux luminescents. Oui ! Attention, j'active. Ah non, je me suis trompée de touche. Pardon. On peut enfin aller dans la section G. Oui, on a qu'à utiliser le réacteur comme... Oh, y'a des cocons! Des cocons? Ouais! T'as dit pareil. On a encore Chips. Atterri dans un nid de ces saloperies d'insectes répugnants, on dirait. C'est... Elle est vraiment pourrie jusqu'à la croûte, cette grosse pizza. Non mais l'épée, tu te rends compte que juste même un peu, il se passe un peu en arrière, déjà il peut plus avancer le gars, il est coincé sur place, c'est un piquet. Tiens, le cocon, ça vous apprendrait. Vous êtes trop des cocons. Alors, eh ben je vais fouiller, moi. Non, ben y'a rien à faire ici. Bon, ben j'ai fouillé, c'est pas fou. Attention, un combat. On dirait qu'elle nous attendait pour nous... On va attaquer les scorpides. C'est quoi la sensibilité des scorpions, déjà? Scorpiomante. C'est pas ma saveur préférée. Les sorts de magie de glace se font augmenter rapidement la jauge de choc. Et ben ça va être Tifa qui va être mise à contribution. Je suis pas obligée de la jouer, mais bon. Enfin, un peu en fait. Ah oui, c'est vrai, ça m'empoisonne. Faut que je me dépêche. Arrête de me taper. Ah oui, c'est vrai que ça marche dans un second temps à chaque fois. Non, pas, vise l'autre. Ah mais il est mort. J'ai rien dit. Voilà. Et oui, parce qu'il m'empoisonne ces petits bâtards. Non, on n'a pas le temps de souffler, Tifa. Est-ce que le monde nous attend? Je crois pas, non. Et quoi ici? On peut pas passer par là. Bien vu, gars. On passe par un autre chemin. Et doublement bien vu. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans vous, dit-on? Analyse des plus pertinentes. Elles sont en panne. Ici non plus, y a pas assez de courant. C'est pas plus mal. On va pouvoir s'infiltrer facilement dans le réacteur. Cet acharnement sur une seule bestiole, c'est vrai que c'était un peu beaucoup. Ma chambre, si j'oublie de faire le ménage pendant 20 ans. Oh, franchement, je sais pas, même pas 20 ans. Excusez-moi, je fais des petits gauche-droite. C'est quoi ça? C'est des sacs poubelles. J'ai mal à croire que c'est un endroit où des gens jettent des poubelles. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à m'imaginer que des humains passent normalement ici. Ces salauds rejettent leur gaz puant sur les bidonvilles. On dirait que ça les attire. Les créatures se réunissent près des gaz. C'est tout comme dans les tunnels. C'est ouais. Entièrement la faute de la Shinra et de la Mako, ça. Ils envoient du gaz toxique rien que pour polluer parce qu'ils préfèrent. C'est trop des méchants. Ils ont une production de gaz polluant, juste pour pouvoir polluer. Tiens! J'ai sûrement eu un truc. Oui, il y a eu du brillage.
On est au point G ? Ah, merci. Moi, je me balade, moi. Ok. On est à H. Oh, non, c'est pas la bonne voie. Pardon. Avoue que tu voulais récupérer la materia. Et dire qu'on est juste. Oui. Pourquoi pas toi ? Mito on va. On peut pas passer par là non. Ouais, bien sûr. On est obligé de continuer de chercher. Il faut aussi aller récupérer cette materia. Mais franchement, passer sur la poutre là, bien en ferraille, c'est aussi large et franchement, j'en ai plus confiance. Hein. Là, c'est le truc qui s'écroule tout seul, ça. C'est même pas fixé, c'est posé. Sérieusement ? Bah quoi, sérieusement ? Je compte sur toi. Ça sert à rien de faire un commentaire pour faire un commentaire, hein, Cloud. Tu ne parais pas plus intelligent quand tu dis « Sérieux ? Genre, il y a encore des scorpions ici ?» Ok. Really? Il est éclaté! Il est éclaté! On va lui faire mal! Ouais. C'est vrai, les commentaires, les commentaires. Ça se trouve, les autres sorts marchent très bien aussi. Hein. Oh, ça a pas marché. Ça a pas marché, le je vais t'éclater, il a pas très marché. Mais tu peux arrêter d'attaquer le cocon qui est derrière toi, s'il te plaît, ma grande. Ce serait super gentil. Allez, c'est la bonne, hein. Prends-toi ça. Voilà. On va lui faire... Et même... Tu préfères tes attaques. J'arrive. Alors, question... Culture. Comme ça. Allez, je prépare avec sa voix. C'est de se convaincre qu'on va pas se perdre. Ce que tu dis, c'est tiré d'un livre pour enfants. Ouais, il se trouve que Marlène l'aime beaucoup. Alors je lui en cite souvent des passages pour lui faire plaisir. Alors... Oui, comme un labyrinthe sans fin. Une question sur Heroes ou une question sur Breaking Bad ? Vous préférez quoi pour la question pop culture ? Vous me dites... Ce sera donc une question série TV. Breaking Heroes. Je connais aucun des deux. Let's go. T'as vu Breaking Bad, moi, ça va aller vite. Moi, j'ai pas vu Heroes, tu vois. Si c'était moi, genre, je dirais déjà l'inverse. Bon, bah, Heroes, alors. Dans Heroes, comment se nomme le pouvoir de Peter Petrelli, qui lui permet d'assimiler et de reproduire les capacités de tous les héros qu'il a rencontrés? Ça s'appelle 1. L'empathie. 2. L'émulation. 3. La précognition. La pécornition. Il reproduit les pouvoirs, mais que des pégus. Vous voulez peut-être que je répète. Ah, il veut Breaking Bad. Bah, je vais dire après. Vous voulez que je vous dise la question, peut-être ? Vous ne voulez pas vérifier le chemin ? Oui, peut-être. On est au point G, là. Où est-ce qu'on est, là, au juste ? On doit d'abord franchir la section... Dans Heroes, comment se nomme le pouvoir de Peter ? Ouais. Il permet d'assimiler et de reproduire les capacités de tous les héros qu'il a rencontrés. On n'a pas du tout trouvé de moyen d'accéder à cette section jusqu'à présent. 1. L'empathie. 2. L'émulation. 3. La précognition. On continue comme ça. Libre à toi d'avancer au hasard. Ah, ce demi, c'est marrant, ça. Le moyen le plus sûr d'y arriver, ce serait... De longer le mur ? Ça coûte pas grand chose d'essayer. Oui, c'est l'empathie. Puis, bravo. L'émulation est son second pouvoir, mais il lui permet de se... C'est une bonne idée. On doit donc aller vers ses coordinateurs. Oh, bref, on s'en fout. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque pas de se perdre comme ça. Bon, j'attends qu'il ait fini de parler. Question Breaking Bad. Comment se nomme la drogue produite par Heisenberg ? En tout cas, ils ont pas l'air de servir à aspirer ces cochonneries de gaz puant. Toutes les substances toxiques sont déversées directement sur les bidonvilles. Vous parlez tout le temps. Heisenberg. Mais pourquoi tu cries alors ? Très bien. Crystal meth. Alors ouais, c'est de la meth, mais elle a un nom.
Je me rappelle pas qu'elle avait un nom en particulier. Assez facile à trouver quand on sait à quoi elle ressemble. C'est tendu, mais t'es nul surtout, dude. Quand c'est moins tendu, c'était moins nul, hein. Par sécurité. Faiblesse, électricité et vent. Immunité. Écrou en pause. Ok. Bah, j'ai ni électricité ni vent, là tout de suite, mais je vais juste taper. Oh, t'es trop nul, là. Ça va te faire vibrer. Enfin, voilà qui est fait. Tu devrais ajouter encore une pointe d'orgueil. Le cristal bleu, c'est un peu ça, mais pas tout à fait. C'est le Blue Sky, la Blue Sky. Voilà. Je savais même pas qu'elle avait ce nom-là dans Breaking Bad. Visage choqué. Choqué de la Blue Sky. Alors, je vais où maintenant? Puisque j'écoutais pas. Oh, mais m'agace, je les aime pas. Regardez, on devrait pouvoir monter sur ce tuyau. Ça nous... J'avais entendu Blue Sky dans la série. Eh ben, je pense qu'on l'entend en VO. Parce que je crois que dans la VF, ils disent la cristal bleu ou un truc comme ça. Ça va. Regarde pas en bas. Mais c'est vrai que la... Les visages choqués. C'est vrai que la... La vache. Ces ventilateurs sont vraiment très bruyants. En VF, c'est forcément mal traduit. Bah, mais non. C'est surtout traduit de toute façon. Qui est pour toi? Léger comme t'es, tu risques de t'envoler. C'est surtout traduit, c'est pas que tu... bah, c'est mal traduit, c'est que c'est traduit, donc forcément, ce sera un autre mot. En fait, par conséquent. Ce petit vent est vraiment très agréable. Mais il me semble qu'ils disent cristal bleu, plus que la mer bleue au cristal bleu, mais qu'ils disent pas Blue Sky. Ce qui est exactement ce qu'elle est, donc... Pas comme si le nom Blue Sky était ultra original et très recherché et très important dans l'histoire, donc... Attention, franchouillard. Mais la VF est super bien, hein. De Breaking Bad, elle est ultra quali. Et c'est pas simple pour une série comme ça, je trouve. Le ventilateur là-bas, qu'est-ce qu'il a? T'as un moment. POV, t'es dans l'étale compagnie et tu dois pas faire de bruit. Faut que j'arrête de jouer à l'Italie Compagnie, je suis trop. Mais cette semaine, j'ai pas y joué pour... Enfin, bah si, j'ai déjà joué en fait cette semaine. Mon cœur allait s'arrêter, hein? Enfin, pendant un très court instant, genre à peine 2 secondes. Il gueule tellement qu'il est là-bas, je l'entends super bien. Bon allez, on avance un peu là. Pas passionnant ce... C'est même pas... C'est dommage parce que c'est pas un peu des énigmes, genre... T'as un endroit qui est fermé, il faut que tu trouves un endroit pour l'ouvrir. Là, c'est juste vraiment du couloir, mais tu passes ton temps à passer dans plein de couloirs qui se ressemblent. C'est un peu dommage. Ils auraient pu en faire un moment de gameplay un peu sympa. Où tu dois actionner des trucs dans plusieurs endroits pour ouvrir une porte. Ça fait aucun doute. C'est bien la plateforme que Biggs nous a dit d'utiliser. Il devrait nous attendre un peu plus loin. Alimentation en électricité insuffisante. Non, mais sérieux? T'es encore au tuto là? Bah non. Projecteur. Autant que ça? Je suis juste au début. Alors, du jeu, mais c'est pas le tuto. De la section. Parce qu'il se passe. Enfin voilà, c'est si pas comme si on m'apprenait du gameplay, donc c'est pas le tuto. Il suffit de se repérer au H1. Non, non. Ok. C'est juste un alors, dommage. Lequel de ces projecteurs un petit. C'est celui-là. Je sais pas. Ils ont un peu loupé le coche. Ça aurait pu être sympa de juste, bah, les moins faire des longs trucs inutiles où t'es sur... Ta gueule. Oh là là, la poète. Tifa la poète.
Ils auraient pu, plutôt que de faire des longs chemins où juste on avance en équilibre et où je ne joue pas, je peux même pas essayer de faire en sorte qu'ils tiennent l'équilibre. Donc il y a vraiment, niveau gameplay, c'est fluide. Et ben plutôt que de faire ça, ça aurait été sympa de proposer juste un endroit où t'as une porte à ouvrir ou un endroit où tu dois y accéder. Et tu vas chercher des éléments dans trois autres endroits, tac, tu les réunis, tu passes. Comme ça, au moins, bah tu joues un peu, quoi. Là, niveau jeu, on est quand même sur juste du joystick, hein. C'est pas ça. Mire radieux et chasse les ténèbres. La ferme, Tifa. On n'est pas sur Facebook. Tifa la boumeuse. De trois projecteurs. Cet avenir, faut disant éclairé, grâce... Équivalent de trois... De quoi, j'écoutais pas. Forcément d'être... On a besoin d'éteindre trois projecteurs. Ah bah voilà. Ça aurait été bien que ça arrive plus tôt, parce qu'on s'est fait chier avant, mais ça c'est bien. Faut que je me mouche. L'alimentation en électricité est insuffisante. Il faut d'abord éteindre des projecteurs. Hop là. Mon mouchage, merci. Ça va. Ça va, c'est fait. J'ai tout à portée de main maintenant. Alors, où sont les projos? Parce que j'en vois 1000, des petits, mais j'imagine que c'est des grands projos à éteindre. Je sais pas où ils sont. Oh, faut que je m'achète des trucs. Queue de phénix, j'en ai acheté 4. Antidote. J'en achète 2. J'achète des popos normales, mais m'intéresse pas beaucoup. Soit une altération d'état de sommeil. Ok, bah je vais en prendre 3. 4, 5. Au cas où, si je croise un mob qui fait ça tout le temps. Il n'y a pas assez de courant pour le mouchage. Ouais, faut que j'éteigne des projecteurs pour pouvoir me moucher. Je sais pas où aller où les éteindre. Je sais plus d'où je viens. Ah, mais ça. Bah ça, j'ai rien à faire avec ça. Je vais devoir repasser par là, mais attends, je vais être sûr que ce soit nécessaire parce que c'est long à chaque fois. Je peux voir la map en plus grand. Premier projecteur. Il est encore au-dessus, mais je comprends pas comment j'y accède du coup. Bon bah j'y vais, je vérifie hein. L'alimentation en électricité est insuffisante. Nous devons d'abord libérer du courant. Du gameplay, ils auraient pu faire en sorte que je puisse faire des trucs là, genre pour rééquilibrer. Bon, ce serait peut-être un peu lourd à la longue tellement il y en a, mais bon. Du coup, je fais vraiment que du joystick en avant, quoi. Même pas si je vais au bon endroit là. Hein. Je n'ai aucune idée. Ah, peut-être là-bas. Ah non. Bon bah non, j'ai rien dit. Bon bah, je sais pas, on voit. Non, pas cela, c'est des connards et ça joue pas avec eux. Merci pour le... Mais c'est pas la bonne voix, ah voilà. Merci pour le raid, Inimoon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Salut, trauma crânien. Merci.
m'a reçu beaucoup. Un petit chou-tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Merci beaucoup, c'est trop mignon, ça faisait quoi? C'est très gentil d'avoir pensé à moi pour votre raid. Bienvenue! À quoi ça joue un peu ce soir? Moi je... J'essaye de jouer au jeu. Mais pour le moment, à part avancer, je fais pas grand chose. Ah bah d'accord, FF7 remake aussi. Un peu de FF14, le MMO. Je vois, je vois. Donc joueur ou joueuse de FF... peut-être de longue date. T'avais fait le précédent? Moi non, je connais pas du tout. Je découvre totalement. Merci, c'est trop mignon. Nous le projo. Ah mais je suis pas si loin là, je suis à 30 mètres. En gars. Je vais m'éloigner du coup, ça me... Ah mais c'est ça le projo. Ah ça nique ligueuse. Vas-y Barrette, tire. Ça va finir par passer. Bon, on va faire autre chose. Pourquoi il y a un coffre? Et Scorpide, on y va. Je sais plus ce qu'il faut pour eux. Ah oui, c'est ça. Ah mince. À mon tour. Ouais, aucun problème. Tiens. Allez, viens. Prends ça. Où la punité? Crève. Prends ça. C'est pas fini. Je sais que ça te démange. Ah mince, elle est pas prête. Bon, c'est pas grave. Oh si, remarque. Il a quand même un peu de vie. Je vais te faire trembler. Faut frapper maintenant. Casse-toi. Alors, ça t'embouche un coin, hein? Pas du tout non plus, totale découverte. Ok. C'est parce que tu joues au MMO que tu t'es dit, tiens, faut que je retourne aux origines quand même. Comme eux-mêmes. Moi j'avais un tout petit peu essayé le MMO, mais c'était galère parce que je testais avec des potes qui avaient pas non plus le jeu. Et du coup on voulait simplement s'inviter dans un groupe pour le tester. Et ben on peut même pas dans la version d'essai du jeu. C'était très dommage. Parce que un MMO quand tu peux pas jouer avec tes potes, ça perd un peu de l'intérêt, le côté MMOS qui est un peu moins présent quoi. Un petit peu dommage. Exactement, ok. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a encore des gens qui découvrent FF comme moi. Je me sens moins seule. Bon, là je suis au bon endroit là. En fait c'est le projecteur, mais enfin ou à peu près, mais je sais pas si je pourrais trouver. Ah si, peut-être par là. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. À toi de t'en occuper. Je prends Tifa. Je m'en occupe. Je t'attends. Coute-moi ça. Est-ce que toi aussi tu joues en action comme ça comme moi ou tu joues au tour par tour à l'ancienne? Moi j'aime bien les combats comme ça. Mais je pense que... les gens qui veulent l'expérience de base... Continuons comme ça. Ils sont en mode diablerie, MDR, on joue pas comme ça, what the fuck. C'est possible. Mais non mais je sais pas en fait comment accéder à ce truc. Le jeu il me dit même pas. Faut que je descende? Bah non, faut que je monte. Bon, moi je joue pas du tout qu'à du FF, hein. Je suis sur beaucoup de jeux en même temps. Enfin, en même temps, pas littéralement. Ce serait un peu bizarre. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Vendels. Mais non, mais franchement, je vois pas, hein. Comment je descends? Faut que je descende encore peut-être? Et cette semaine j'ai pas mal joué à Vampire Survivors. Parce que un DLC qui est sorti et qui est très cool. Si vous aimez le jeu, un DLC qui vient de sortir est trop marrant. Avec Among Us.
Le papillon du gaming, oui c'est ça. Par contre là franchement promis, ça c'est un réacteur ça. Non, c'est le truc que j'ai actionné tout à l'heure, ça n'a rien à voir Lox. Vraiment tu t'égares. Je me gare. Ah il saute. Va sauter. Oh merci Antéo, ouais, c'est une bonne idée ça. On soutient Ponkel. Oh putain, y'a un truc violet là-bas. Ça a l'air bien. Non mais là par contre je vois pas comment faire les trucs des générateurs. Je suis un peu keblo. Parce que j'écoutais pas. Bon bah je repars non. Pas par là. Par où qu'on repart ici? Par là? Je sais pas ce que je fais. C'est pas grave, parce que l'important c'est de passer un bon moment. Mais ça c'est le générateur ça. Enfin c'est pas ça que je peux. Non. Mais j'écoutais pas, mais évidemment que j'écoutais pas, ils sont insupportables quand ils parlent tous. Je me protège. Bon. Attendez. Ah. Éteignez, bah je franchement je veux bien l'éteindre vraiment. Ouais il est insupportable aussi. Non mais le truc c'est que Royal il m'écoute bien moins que je ne l'écoute. Donc au bout d'un moment, c'est juste de l'habitude. C'est pas folé, mes autres te suivent sans t'aider. Ouais, c'est vrai que dans une dynamique de groupe, c'est un peu bizarre. Les autres, ils tuent jusqu'au bout du monde, avec détermination, sans du tout savoir ce que tu fais. Moi, ça a poucave, ça me balance des trucs au bout d'un moment, pour rétablir la vérité. Il y a un truc où je pouvais pas y aller. Ça m'a été doigt dans le nez. Il bat cite pas. Bah disons qu'il parle pas quand il faut parler quoi. C'est vraiment pas le moment. Ah oui c'est vrai. Ouais. Trop chiant. Le sommeil tout à coup. Bon. Ok c'est parti. Oh non mais les ronflements en plus T'es fort là. Vous pétez un câble. Faut vous fermer votre gueule. Évidemment que tu ronfles pas quand t'es dans le coma, ta gueule. J'arrive. Elle est morte vraiment? Oh Tifa. Tifa t'es gênante. Quoi? Je vais t'en mettre plein la vue. Ça va te faire vibrer. Dégage de là. Mange-toi ça. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Allez pas m'énerver. Je sais pas ce qui s'est passé. Tifa zéro effort, Tifa est gênante là.
où je dois aller. Enfin, je sais pas comment je dois y aller en fait. J'ai compris ce que je devais faire, mais comment, bah, je ne sais pas. Je vais redescendre ici. Je peux... Bah ouais, mais du coup, bah, ça va pas. Enfin... Je vais revenir au point de départ et puis on va voir. Y'a pas de chemin logique? Bah ouais. Tu vois là, faut se taper des longs passages comme ça, c'est un peu nul. Pas très intéressant quoi, niveau gameplay. Tu veux, tu te dépêches, hein. Mais je m'éloigne hein, du truc que je dois faire, mais je veux juste pas. Ice of Peace Simulator, bon, je savais quand même un peu plus comment aller aux endroits que je devais atteindre dans Ice of Peace. Juste que des fois, bah, je sais même pas ce que je devais faire. Déjà la main. Va et toi? Ouais, ça va. Je me pose quelques questions. Allez, on va faire le tun 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 tun. Pierre Mako. Ah mais c'est ici. Mais c'est complètement ici en fait. Ah, je pense. Oui c'est ici. On y a trouvé, on a trouvé, on a trouvé. Allez, ensemble. J'attendais que je vais le faire. C'est pas fini. Je vais galérer comme toi. T'es gentil. Trop tard. Je fais une compétence, un petit sort. Prends-toi ça. C'est le moment. Joué. J'ai compris moi. Coute-moi ça. Fini. Fini pour toi. Ok, c'est là. L'interrupteur, il est là. On va pouvoir éteindre ce projecteur. Oui, allez, attends. Mais non, merde! Allez. Courant rétabli. Non, mais je pense que à la base le chemin était montré un peu mieux et que moi je l'ai pas vu, Catholise. Il reste plus qu'à éteindre les deux là-bas. Le régal du système anti-intrusion est... Pour avoir un chocobon. Merci. Un système anti-intrusion. Un ou deux, ça suffit. Comment revenu? Ah! Qu'est-ce que ça peut nous faire? On va deux. Tout dégommer. Le réacteur. Ok, Sam. Des bisous. Mince, là, il a parlé encore, le deuxième projecteur. Merde. Je sais pas où je vais devoir aller. Ah, oh, comme d'hab, j'écoute pas. Mais là, bon, c'était pour les chocobons. Bon, attendez, on va revenir en arrière, on va voir. Oui, je sais, je sais, je cherche la merde. Ah, mais peut-être que je vais avoir accès à un ascenseur vu qu'il y a un truc. T'inquiète, je vais me charger de toutes les dégommer.
Let's go, grosse décharge. Tiens, ça t'apprend. Attends, grosse décharge. Elle marche bien. J'avoue que ça marche bien. Tiens, toi. Tu vas voir. Ça va te faire sortir les yeux de la tête. Faut continuer comme ça. Mais oui. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai ça. On peut déplacer cette passerelle. Oh, alors ça tombe bien. Tu as entendu Chocobon? Oui. Je m'en achète rarement. Mais là, pour Noël, je suis allée. Mais oui. On les voit de loin. Salut, Flowers. Hello. J'ai pas le temps. Oh, c'est des sortes de petits hippocampes, regardez. Lâche-toi ça. Ne précipite pas. Ouais, aucun problème. Allez, viens. Allez, casse-toi. Tu n'en vas pas. Danger d'électrocution. Allez, à toi. Allez, je suis prêt. Je vais te faire trembler. On va lui faire mal. Dégage de là. Te tiens, toi. Je t'ai eu. Non. Pas du tout. Prends-toi ça. J'aime ça. Les autres, ils ont pu. N'hésitez pas à participer, les gars. Hein. Franchement, pas de soucis. Enfin, c'est pas un problème. C'est d'où je viens. Je vais être sûr. Et les ponts se ressemblent un petit peu tous, j'avoue. Mais ça va, Luxe? Vole-toi. Ah, c'est ça qu'il faut que j'actionne. Merci pour monsieur Copon. Merci beaucoup. C'est le deuxième qu'on éteint. Il reste plus que le projecteur là-bas. On voit enfin le bout du tunnel. On devrait pouvoir descendre par ici. Il coule la main de Royal. Oh, ouais. En bas, c'est le secteur 4. Hein? Ça t'intéresse? Je te ferai visiter si tu veux. Vous pourriez vous inquiéter pour moi? On parle toujours du secteur 4. Pardon, c'est lourdingue, pardon. Bah, on va faire le bouton. Ah! Il y avait un truc à loot là-bas. Tant pis. De toute façon, j'aurais pas pu l'atteindre tout de suite. On en a éteint beaucoup, des soleils. Le soleil, y en a qu'un de vrai, et c'est largement suffisant. Tout ce qu'il fabrique à la Shinra, c'est que du secteur 4, le secteur 4 de Tifa. Une matéria. Ouais. Je vais y retourner après. Ça va faire mal. Meurs. Terminé. Ça marchera pas. Allez, ensemble. Ouais, laisse-moi faire. La chercher. J'arrive. Te tiens à toi. Non, mais encore. Je sais que ça te dérange. C'est parti. Bonne chance. Je me charge. Heureusement que je suis là, hein. Ça va te faire vibrer. C'est maintenant que je dois... Vous voulez bien l'achever, celle-là, là? Voilà, merci. C'était couru d'avance. On dirait bien qu'on a tourné tout autour. Voyons, où est le dernier projecteur? Attends. Je vais remonter par contre. Je vais essayer de choper la matéria.
Oui, elle avait l'air importante, ouais. Ouais, on va essayer de choper ça. Hein? On rebrousse chemin? Je sais pas ce que t'as à faire, mais grouille-toi! Mais ils sont insupportables. Là, je vois pas. Hein. Ok. Ça, je pourrais le déplacer et peut-être le baisser. Mais c'est pas tout de suite alors, France. C'est peut-être pas tout de suite. J'attends cet endroit. Ça m'aidera à sauver le monde. Alors évidemment, c'est le plus important. Tu viens me faire aller là-bas, c'est ça? Ouais. Ce projecteur est le dernier. On peut dire qu'on a fait beaucoup de détours. Après tout, il n'y avait pas de dessin pour nous guider ici. Et puis, Jesse et Wedge sont pas là pour nous aider. En effet. Ok, faut que je descende. En fait, comment on va expliquer leur absence à Biggs? Ça va forcément l'inquiéter. Mais je sais même plus qui c'est, Biggs. Les chocobons, c'est à bout, là, que ça viendra à bout. Je vais venir à bout des chocobons, ouais. Ça, je peux à peu près vous le garantir, ouais. Je vais déjà essayer d'avoir le loot au cas où il se passe un truc après et que je puisse pas le récupérer. Mais ça se trouve, il va se passer un truc après, ce sera le moment. Mais arrête! C'est comme tu veux. Mais je vous ai fait plein de... je vous ai fait faire plein de détours tout à l'heure, personne ne disait rien. Vous êtes bizarre, hein. Vous êtes trop bizarre. Faut qu'on passe. Je compte sur toi. Ouais, laisse-moi faire. Dans les électrocutions. Concentre-toi. Je m'en occupe. Allez, viens. J'ai eu. Vas. Voilà, tout raté. Et casse-toi, heal-toi. Ah, tu peux pas te heal. Ok. Je vais te demander à Cloud de le faire. Objet super potion Tifa. Te précipite pas. J'attendais. Allez, je suis prête. Non, mais il faut vraiment que tu fasses un sort, meuf. Ok, je le fais de loin. Enfin, de loin. Je m'éloigne un peu. Je vais te faire trembler. Ouverture. Dans le mille. Te tiens à toi. J'arrive! Je t'ai éclaté! Je compte sur toi! C'est pas le meilleur moment. C'est bon. Ouh, il s'est soigné juste à temps. C'est pas fini! C'est le moment. Écoute-moi ça! Chute, Tifa! C'est mal barré! Aucun problème! J'arrive! C'est mal barré, aucun problème! Changement de stratégie! Viens! Allez! C'est cadeau! J'ai rien senti! Oh! Je compte sur toi! Je peux le faire! Voilà! Bonne chance! Allez, on m'a saoulé. C'est toi qui vas pas tenir, Dude. Je compte sur toi. J'attendais que ça. Allez, je suis prête. Prends-toi ça. Mais ça marche pas. C'est tendu. Enfin. Oui, c'est tendu, oui.
Je vais refaire analyser parce que je sais plus. Ça va te calmer. Normalement c'est glace aussi. Ouais c'est glace. Mais c'est que l'attaque de Tifa elle commence à être faible. Attends, faut que je me remette. Ouais, laisse-moi faire. Prends-toi ça. Voilà, là c'est bien. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Voilà. Oh, j'espère que ça te plaît. Je te rattrape. Oh, juste qu'il veut. Okay, c'est parti. C'est éclaté. Voilà. C'est lui de bête. Attention à toi. Ça va aller. J'ai besoin d'une pousse. T'attendais que ça. Ça marchera pas. La chercher. J'arrive. Outre punitive. Elles ont tellement de vie, ces gardes. Il va bien aller nous. Concentre-toi. Allez, je suis prête. Ah, putain, allez, fais des sorts, je t'en supplie. Oh, insupportable. Allez, tu m'as saoulé. Je peux te laisser t'en occuper. C'est pas le meilleur moment. Oui, laisse-moi t'en occuper. Oh, hey, ils sont déstabilisables très facilement quand même. C'est pas fini. Je t'en prie. J'arrive. C'est le moment d'en finir. Je compte sur toi. J'abandonnerai pas. C'est super. Il faut qu'on se rattrape. Ça va aller. Brûle. Eh ben. Trop facile. De fou. Bon. Moi je veux le loot. Ils ont fait tellement de détours qu'ils sont fatigués. Ah c'est pour ça qu'ils chouinent. Professeur. Elle était pas rouge, elle était rose, c'est bien. Merci. Voilà, on peut monter. J'ai fini par l'avoir, je suis assez content. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh, oh oui. Ok. Concentre. Faut faire des trucs avec des générateurs qui font des trucs. Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Cassez-vous, remettez-vous. Mieux vaut bien placer cette passerelle si on veut atteindre le projecteur. Bon dodo. Et bon week-end de fête. Qui me donne son nom? Oh merde, j'ai oublié de les heal mes personnages. Ils vont totalement mourir. J'ai envoyé des petites popos. Connais tes limites. Know your limit. Ensemble. Ouais, laisse-moi faire. C'est cadeau. Je te préviens, y a pas de temps mort. Et t'es dans la merde là, hein, Nuros. Allez, je compte sur toi. Je m'en occupe. C'est tout. Tiens, pour toi. Attends, je m'en charge. Je tiens à toi. Et... tu saoules, toi. Enflamme-toi. À toi de jouer. Non. Allez, moi, je vais me tromper. Super. Je compte sur toi. À mon tour. Ouais, aucun problème.
te rattraperai pas. Dégage de là. Non mais... C'est tout. Prends ça. Tiens, ça t'apprendra. De ta face. Sur demi pendant gastro, non mais hémoglobine d'art, c'est horrible. C'est dans la VOD. J'ai trop merci pour le sub gift quand même, mais là. Oh, mais... Abuse. Toujours plus. J'attendais que ça. Allez, casse-toi. On a eu un peu. Oh, quelle galère. Faut qu'on fasse plus attention. J'arrive au bon moment. Non mais il est fou, Hémoglobine Dark, je sais pas pourquoi il fait ça. Il veut me faire bannir. Oh, c'était qui? Salut Joe. Non mais please, oui, de rien, non mais dis... Oula. Je vais vomir, je reviens, ouais. Oh là là. Et voilà, ça fait trois. Dis, à ton avis, la plateforme fonctionne désormais? Peut-être bien. Bon. Je préfère quand tu subs des abcès purulents ou des trucs comme ça. C'est imagé, mais voilà. Moins scato, quoi. J'espère que c'est pas trop grave, la blessure de Jessie. De notre côté, le mieux qu'on puisse. C'est qui déjà Jessie? Ah oui, si, c'est notre. C'est la chaudière. T'as raison. Cloud, tu t'occupes de la part de Wade. Ah oui. La chaudière à gaz. Désolé, hein, mais pour le moment, c'est le seul truc qui la caractérise. Alors moi, j'utilise ce que le jeu me montre, simplement. Je me montre que ça, bah ok. Où est-ce qu'on doit retrouver Biggs? Dans un couloir qui mène au réacteur Mako. D'après ce qu'il a dit, il a des plans de A à Z pour passer le temps. Essayons de le rejoindre avant qu'il arrive à G, alors. Tu vas bientôt avoir une sacrée surprise, maudit réacteur. Vous n'avez pas besoin de parler de vos tréfonds, les petits gars, vraiment. Alimentation électrique d'urgence détectée. Le redémarrage de la plateforme est en cours. Redémarrage terminé. Veuillez monter sur la plateforme. Ah ! On débarras ! Sale dédale de passerelle. Ok. Du coup, c'est bon, là. On va pouvoir aller jusqu'au fin, au bout de cet amoncellement de pontons en ferraille. De pontons en tôle. On va pas la récupérer. Bah, je l'ai prise, espèce de nulos. Mais j'ai déjà prise la Macteria, qu'est-ce qui... Mais il est nul. Non, dépêchons-nous plutôt. Merci, Cromlech. On est proche du réacteur, Mako. Je n'ai pas au dodo. Mais t'es nouveau. T'as de la planète y aspirer. Merci beaucoup pour ton 10e mois d'abo. Ça sent la Mako à plein nez à l'intérieur. Merci, alors, j'espère que ça va. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Regardez, le réacteur Mako nous appelle. Dépêchez-vous. Maki Maka Mako. J'attends que vous veniez à moi. Ok. Intrus détecté. Mode d'élimination actif. Il faut que... Oh. Et merde, je les ai pas soignés. Bon bah il est mort. Bon, je crois qu'ils sont tous morts en vrai. C'est être un professionnel. Oh, adieu. Ah,
pas abattre. Dégage de là! Dégage de là! Juste au cas où. Allez, à toi! Je peux le faire. Ah oui. Je t'ai eu! Je suis pas dans la sauce, moi, dis donc. Prends-toi ça! Bonne chance! Ah! Ah non, je crois qu'il était mort. J'ai peur. Je le crois pas! Ouais, non, je vais devoir recommencer le combat. Je crois que je vais devoir recommencer le combat. Je m'étais juré de pas abandonner pourtant. Bah, ils étaient pas full life, ils ont pas de PM. Enfin, j'ai pas. J'ai pas anticipé. Point de Lethal Company. Ouais, c'est vrai. Oh merde, je me suis encore pas soigné. Je cherche un peu la merde, moi. Te précipite pas. Ouais, aucun problème. Faut que je recommence encore. Tu dois être plus prudent. Qui ne est plus prudent. Et mignonne. Lethal Fantasy. Ouais, c'était le titre de ma... C'est le titre de mon prochain VOD. De ça. Enfin, celle qui est pas encore sortie, mais qu'on a fait la dernière fois. Je les laisse mourir et puis on recommence. Et avant de lancer le combat, je les soigne. J'espérais être meilleur que ça. J'espérais être meilleur que ça. T'es plutôt nul, mec, en vrai. Hein. Ok, on se soigne. Potion. Joue sur PC. Et à la manette. Quand même plutôt des jeux manettes. Voilà, ensuite objet éther, j'en ai pas beaucoup. Oh putain, j'ai plus rien. Bon bah on va tenter comme ça. Détecté. Mode d'élimination activé. Non, c'est toi que je veux, et toi, et toi, et ça. Je vais t'éclater. Ça va te faire sortir les yeux de la tête. J'espère que ça te plaît. Prends-toi ça. Voilà. Je vais faire les autres tourelles. Voilà. Oh, les autres ils prennent cher, je crois. Non, ça va. Ça va à peu près. L'officiel, c'est la très meilleure. Oh, ça, ça va. Mortien, c'est trop mignon. Je peux pas encore. Ah, je suis loin. Te tiens à toi. Te rattrape pas. Compétence, choc. Ça va faire très mal. Bon, on a plus que les gros lance-missiles, ce qui est déjà pas mal. À gérer. J'ai un sort, je vais refoudre, on va voir si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher. Je vais tenter sort de glace. Pas dingue. Et ça me va. Du coup, je vais tenter le feu. Oh là là, ça marche pas du tout. Ok. Par sécurité. Ouais. Le courant. Ok. La foudre. Et magie non élémentaire. Ah oui, donc le feu, c'est pas dingue. Ok.
Garde ton sang-froid. J'attendais que ça. Vas-y, essaye. Ça va te faire vibrer. C'est le moment de se lâcher un peu. Je vais te faire une petite démonstration de puissance. Pas dingue en vrai. Pas dingue du tout. Mais ça, ça sera mieux. Ça va te faire sortir les yeux de la tête. S'ils sont un Tifa. Dégage. Je tiens encore debout. Allez, je suis prête. Prends-toi ça. Prends ça. Ok, le ça se passe super. C'est juste un peu plus loin. Vu le temps que ça nous a pris, il doit s'inquiéter. Non, j'ai fait élixir, je voulais pas du tout faire élixir. Eh ben tant pis. Allez. J'ai plus de points de... J'ai plus rien avec Barrett. Fallait que je passe par où parce que là, je suis arrivée là. Mais ça m'a servi à quoi d'arriver là? Ah ça! Oui évidemment. C'est vrai que ça fait vraiment les maps de l'État de compagnie, oui je suis d'accord. Ça pourrait être ça. Hey, silence! La Shinra contrôle tout Midgard. C'est pas fait pour monter dessus. Non, je joue pas sur le PC. Et ça aurait je m'assois pas sur ma tour. Pas essayer encore. Cela dit, pour maintenir les fesses au chaud. T'as l'air sûr de toi. On verra. On y arrive bientôt. Ah bon? Tifa. Ça va. On peut plus faire demi-tour maintenant. Je dois être plus tendue. Moi non plus, j'arrive pas à m'y faire. Ok. Y'a quelqu'un. Je me rends. Ah. Eh mais... Cloud. Non mais genre, Wedge sont pas là. Tu les regardais arriver, fais pas. Comment genre t'avais pas vu qui c'était mec. On parle plus que de terroristes qui ont sauté d'un train. Ça s'agite pas mal là-haut. Du coup, j'étais tranquille ici. Ça m'a permis de vous assurer une belle voie d'accès au réacteur. Ouais, rien assuré du tout. Joué, c'était déjà là. Pas alors, cool, sont les autres ça. En fait, c'est que. Mais il a servi à rien en vrai. C'est grave. Bah, c'est pour la faire taire. T'inquiète pas. Merci d'être venu. C'est mon boulot. Prendre le train pour le secteur 4 était une bonne idée. La majorité des gardes y est mobilisée. Tant mieux, vu que ce qu'on vise, nous, c'est le 5. C'est pas le chemin le plus simple, mais ça mène directement au réacteur. Ça m'a l'air un peu étroit pour moi là-dedans. Mais non, ça passera. Ah, au fait, les treuils pour descendre en rappel. Ça ira. Ça pourrait pas. Bah, faut les fixer à des trucs en vrai. Occupe-toi bien des autres, s'il te plaît. Ok. Ok. Bon, nous aussi on va s'équiper de cet œil. Attachez-les solidement si vous voulez pas les perdre en route. Après notre mission, on les utilisera pour redescendre d'une traite. Pas question de clamser. Évidemment. Mais descendre où? Chapitre 7. Alors, un peu plus. Dans la plus à gauche, on n'a pas le temps. Ajustez tiens. L'éclairage. Monsieur le Président, je vérifie votre micro. Dépêchez-vous un peu. Je vérifie votre micro. Oh, lui aussi, il a l'air sympa. Je la sens à plein nez. C'est l'odeur de la Mako. On approche du but.
c'est la même chose que le numéro 1. Une moustache, ouais. C'est forcément un méchant. Le réservoir. C'est vrai. Prêt. Allons-y. C'est vrai que les gentils, ils ont tous quasiment pas de barbe ou pas du tout. Il y a que un petit peu barrette et c'est voilà, c'est ça va. Il y a un level de pilosité qui vous rend méchant, sachez-le. En tout cas, si vous êtes dans Final Fantasy. Par où est-ce qu'on est censé descendre? Je sais pas, on tape tout. Oh! Ah oui! C'est une bonne idée, ça! Je passe devant. Ah, ok, vas-y. Ah, mais il glisse, c'est pour ça que je me suis pourquoi écrit. Mais laissez-moi jouer, j'aurais pu faire un petit QTO! J'ai eu un petit peu peur de tomber. Tu réfléchis trop. Bah, c'est surtout qu'elle, elle a quasiment aucun bout de peau protégé en cas de chute. Elle peut littéralement se rappeler le fion, quoi. Je te garantis qu'après la bidoche, elle aura une autre tronche, hein. Putain. Hey, après, excusez-moi, je suis tellement gore. Regardez ça. Si ce gros tas de ferraille était en marche, je suis sûr qu'il détruirait tout sur son passage. Une machine de ce type sert à éliminer les grandes créatures. C'est un armement de pointe. Si par malchance on tombait nez à nez avec elle, on aura intérêt à fuir. Ouais. On a de la chance. Non mais c'est que voilà, j'en peux plus des personnages qui ont des tenues comme ça pour des missions, genre où tu crapailles de partout, tu sautes dans tous les sens. Tu connais la... J'arrive pas à trouver ces personnages crédibles. Adieu, c'est fini pour toi. Non mais c'est bon, c'est des moucherons, au bout d'un moment, arrête de te prendre pour un ouf parce que tu éclates des moucherons. Terminé en beauté! Pas de quoi sauter au plafond. Bah ouais, ça me vient un peu quoi. J'aurais préféré l'oublier. Ils auraient pu la ressaper un peu. Ça va chauffer. Ouais, aucun problème. Mais t'es coincé toi. C'est pas fini. Je suis prêt. Je vais te faire cramer la cervelle. Tiens, ça t'apprendra. Tiens. Déjà fini. Allô. Allô, je me suis pris une flèche dans la tronche. Pas rien. S'il te plaît, le jeu. Bon bah je vais suivre la carte là-haut. Alors cet anti-aveuglement. Je suis prévoyante quand même, hein. Je le fais à la mini-carte en haut. Regardez. Voilà. Ah, ça va être... Comité d'accueil. Ça va être rigolo. Je vais les dégommer. Allez, ensemble. Ouais, laisse-moi faire. J'ai eu. Ça vient, ouais. Dégage de là. Sort, mais de foudre. Ça va te faire vibrer. J'arrive. Je peux le faire. Je vais t'éclater. Je pense qu'il gêne. Prends ça. Ah, arrête, il a pris trop cher. Ça va très bien. Te précipite pas. Il suffit de serrer les dents. Je sais que tu vas assurer. C'est arrivé au premier live, oui, c'est pas la première fois. Mais ça s'est réglé tout seul la dernière fois. Donc bon, là ça fait chier si je dois relancer parce que je sais pas où ça va être. T'as pas mieux que ça. Laisse-moi faire.
si je fais une petite analyse là. On sait jamais. C'est l'électricité, ok. Attends, faut que je me retrouve. D'accord, on y va. Je crois pas. Bon, j'attends qu'il meure. Ce sera le seul moyen. J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça. Ah. Merci. Commencez juste avant le combat, s'il te plaît. Tu vas rentabiliser ton écran anti-chargement Genjin. Ouais, ouais, il est utile dans plein de potentielles situations. Voilà, ah ouais, d'accord, c'était ça. Oh loulou. Il y a des tourelles. Je m'occupe de les dégommer. Ouais, elles sont où les tourelles? Ok, ça. Mange-toi ça! J'arrive! Je vais te faire cramer la cervelle! Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, sort et foudre. Et ça! Foudre punitive! Foudre punitive! Concentre-toi. Ok, c'est parti. Ah merde! J'ai tiré mon sort de sang pour rien! C'est pas fini! Je vais t'avoir! Ça va de ton côté! Je vais faire de mon mieux! Je dois faire attention! Ok. Fais du phénix! Ah bah j'en ai plusieurs! Ça va aller! Changement de stratégie. Je vais tirer les dents. Soigne-toi toi déjà. J'ai rien senti. J'arrive. Je compte sur toi. Je peux le faire. Tiens, pour toi. Ok. Ça sert à rien, meuf. C'est pas grave, je vais faire. Bon, allez. Laisse-moi faire. Non mais tu sais pas faire toi non plus, fais pas genre. À l'attaque. Choc. Prends ça, et bam. Tiens. J'arrive, et bam. Fini. Non mais tu vises l'autre. Mais c'est couillon, tu vises l'autre, Claude. Je vais t'exterminer. Ok. Ah, tu vas cramer. Allons-y. Garde ton sang-froid. Heureusement que je suis là. Je vais t'effacer de la surface de la planète. Dans le huc. Il sort foudre. Ça va te faire vibrer. Ok. Et ben. Il existe un jeu où ton perso est aveugle et faut se fier au son. Ouais, j'avais vu le truc, ouais. Bon, j'espère qu'on va pouvoir acheter des soins. Je viens de où, moi? Je viens d'en haut. Parce que j'étais en écran blanc, alors j'ai un peu du mal à me repérer.
suis allée là et ça m'a servi à quoi d'aller là? Et là la suite, ok. Ouais. Enfin les missions se ressemblent un peu hein. En tout cas les décors beaucoup. J'ai plus de kawa. Moi j'ai de nouveau du holy. Bon je m'en suis acheté des dégueux, enfin des échantillons dégueux, mais j'ai aussi pris des bons trucs. La Shinra. Oh mince, j'ai un flyfest, des cow-boys et des indiens. Je les déteste tous. Eh, quand on a des flashbacks en vrai, dans ce jeu on fait pas semblant quoi. Les cow-boys du Japon. Les nichons des cow-boys du Japon. Hé hey, reste avec nous. Oh, Tifa. Ok. Attendez les gars, on n'est pas prêts par contre si on a un combat de boss. On verra hein. Mais ça va mal se passer hein. Comment? Eh hey. Cette fois le dédain de faire. On va pas s'embêter avec ça. Donne-le-moi dans ma main sans celle-là que je te regarde. Un détonateur télécommandé. Merci, Nilo. J'ai du bon boulot. D'ici, elle est dead. On se met d'abord à bonne distance, on appuie. Et boum. À bonne distance. C'est nulle part, je sais. On va s'enfuir par la sortie principale. Faut faire le chemin inverse. Ok. Ah c'est bon, c'est fini? Bon bah ou quoi? Ah bah bisous. C'était sympa comme mission. Donc c'est une hateuse des boobs. Bah disons contrairement à vous, je me branle pas dessus quoi. Donc forcément ça m'intéresse moins. C'est pas pour moi qu'ils sont faits les boobs, hein, c'est pour vous hein. Donc soyez pas étonnés que je réagisse comme ça, effectivement. Surtout quand ils sont mis en plein écran en permanence. Disons que... Le timing. Donc c'est pas le contenu que je regarde, ouais. Mais je me doute que c'est pas c'est différent pour une partie du chat, ouais. Gentil. Soyez les bien. Avec sourire de gentil. Je suis le directeur du département de sécurité publique, à la tête de la campagne de propagande de la compagnie Shinra. Vénérable. Je connais pas ce FPS catholique. Le chef de leur armée. Vous devez. Ça avait pas l'air fou, ouais. Vos exécrables méfaits sont diffusés dans toute la ville de Midgar en ce moment même. Oh. Ah, c'est pas vrai. Des nouvelles du réacteur Mako numéro 5. La compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes, identifiant ce réacteur comme étant leur cible. Des suspects ont été repérés sur les lieux. Les forces de sécurité les traquent et s'efforcent de localiser les explosifs. Notre envoyé spécial est en direct. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je me trouve sous le secteur 5. Des boobs de conflit gonflés à la materia de Tifa hier. Après la tragédie du réacteur numéro 1, cette nouvelle menace qu'on ne peut que qualifier d'inhumaine. On est contre ces attaques. A soulevé un vent d'indignation. Il faut attraper les coupables. Le président Shinra a déclaré qu'il éradiquerait ces criminels. J'aime bien vraiment comme les humains ont l'air normaux. Et à côté t'as Tifa avec son bonnet double Z. Et Cloud avec ses cheveux à la DBZ. Au milieu d'humains totalement normaux, ça me fait... Je trouve ça drôle. Oh non, pas lui. Le tout dernier fleuron de technologie de notre armement autonome. L'aérodestructeur qui sera votre exécution. Ah,
La brochette de Winner. L'héro-destructeur n'est prêt qu'à 60%. Cela prend plus de temps que prévu. On est en direct là. Mais oh, on est en live là. Putain. Fous la honte. Je suis gentil. D'accord. Non, non, on est en live là, tu fous la honte en fait. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ton réacteur Mako là? Putain. T'as niqué mon outro quoi. Non, abonnez-vous hein, activez la cloche, tout ça, moi je vais y aller, trop chiante la meuf. Allez Tifa, fais des petits trucs. Mince, je me suis trompée. Ça se trouve la glace c'était bien, mais je l'ai fait sur le mauvais perso. Oh, peut-être pas. Ça semble pas trop mal. Barrette va décéder en fait. Et Cloud aussi en plus. Tac, 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 tac. Ça va aller. Bah c'est toi, ça va aller, t'es en train de décéder. T'es foutu. Je prends les devants. Le feu. Ok, nice. Je tape pas. Il esquive juste. Je suis dans la merde. Ok, sort, feu, toi. Plus qu'un coup. Ah bah, plus que 14 coups du coup. Faut qu'on s'en aille, il y a des alertes et tout et tout. Peut-être que c'est parti, la Shinra va passer pour le sauveur. Ouais. Ils déforment les faits comme ça les arrange pour nous discréditer. Non, c'est pas possible, il avait l'air si sympa. Non, on va pas les laisser faire. J'ai une idée. Ils veulent une exécution publique, on va défoncer leur gros tas de ferraille. Ça leur foutra la honte devant tout le monde et en direct. Ouais, bonne idée. Ordre du directeur Heidegger. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus. Eh ben nickel notre vie. C'est super. Ok, on va. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Ordre du directeur Heidegger. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Je répète. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Allez. Ordre du directeur Heidegger. Cet enfant pour le gros boss mécanique de tout à l'heure. Oh ah oui, attends, mais si ça se trouve, oui, à un moment ils ont montré un truc, ils ont dit ah si on l'affronte ce sera dur et tout. Lui là. Oh, je suis dead. Accélérez un peu le rythme. On ne peut pas faire attendre le directeur. Le chargement est prêt. Ici le B8, transfert en cours. Merci. Il a un petit coffre. Les intrus! Arrêtez-les! Oh merde, j'ai pas de vie. Ça va faire mal. C'est fini. C'est sympa d'affronter les humains. Bien joué. Voyons un peu ce qu'ils fabriquaient, ces enfoirés. J'aimerais bien un petit siège où m'asseoir là, ce serait trop bien. Ou un petit coffre. Oh, il marche tout lentement. Bon bah go. On dirait que les éléments du robot sont acheminés par des montes charges.
Non, mais pas cinématique, je m'en fous. On peut peut-être limiter ses capacités. Ce serait... Ça va être chaud. Allons voir la console de contrôle. C'est la machine qui est là-bas, c'est ça? Ouais, c'est sûrement la machine qui est là-bas, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il faut une carte d'accès. On va chercher ça. Bah sur les cadavres là, enfin qui ont disparu du coup, mais en vrai il y avait sûrement moyen. Hein. Ah, tu cherches comme ça toi. On va chercher ça, résultat tu regardes la télé, super. Le soutien est négatif. T'en as trouvé une? Oui, elle... Génial. Bien gâché. Faisons joujou avec la console de contrôle. C'est écrit UNITM sur l'écran. C'est le nom d'un élément? Ouais. Une sorte de formation à base de matériaux. Tu peux enlever ta main des fesses. Qu'est-ce que tu peux faire? Non mais... Je peux changer la destination. C'est pas au bon endroit! M'arrête! C'est tout de travers. Attends, les unités M sont des composants servant à maintenir les systèmes internes de l'aérodestructeur. Les envoyer au rebut n'aura pas d'impact direct sur les capacités de combat de cette machine de guerre, mais si vous les récupérez... l'affrontement sera plus aisé pour vous. Ok. Oh, vas-y, fais des trucs. Jeter? Ouais. Bah oui. Et tactile, le barrette. Rejet de lui. Il aime bien être très proche. Ah, joli point de vue. Tu vas voir, Heidegger. Je peux rien faire là. Nickel, barrette. Allez, on passe à la suite. Ok. Sens-tu sa barrette? Et je parle si pas de celle qu'il a dans les cheveux. Ils sont encore en train de nous observer. Ouais. Ce serait pas sûrement à la télé. On pourra rien y changer. Alors autant essayer de garder le sourire. Moi, ce que je veux changer, c'est de la vie en fait. Je voudrais trouver de la vie. Dis donc, ça craint là, tu crois pas? Ouais, peut-être, ouais. Très bien. Adieu. Terminé. Je te tiens à toi. Je me saisisse. À toi de t'en occuper. J'attendais que ça. Dégage de là. Je t'attends. Danger d'électrocution. Deux secondes. Je te tiens à toi. Désolé. On a plus de vie. Non, c'est pas de ta faute. Comment ça, ça a pris du temps? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vois pas de porte. Je vois pas de porte. Ah oui, d'accord, c'est juste là en fait. Je croyais que c'était le même chemin mais d'un autre côté. Ils savent qu'ils passent sur la Lox TV. Allez-y, jugez-les. Voilà. Oh, c'est là d'où je viens ça. Attendez. Ah oui, je monte là. Il faut que je remonte après. Ok, ok. Oui, Barrette, il... On a souvent envie de lui dire de se taire. Oui, 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 oui. Ici le niveau moins 7, transfert en cours. Mais je sais même pas ce que ça transfère, je comprends rien. On a perdu le contact avec l'équipe du niveau moins 8. Envoyez immédiatement. On a perdu le contact. Full contact. C'est les intrus. Attrapez-les. Non. Ici le niveau moins 7. Oh bah on a pas de vie en plus, c'est trop bien. Ils ont trop d'avantages de temps. Regardez les coups de contact. On va pas vous laisser passer. Je dois me concentrer. Il y a deux consoles de contrôle cette fois. Parfait. L'utilisation de ce terminal requiert une carte d'accès. On a plus de vie, les gars. C'est chaud.
maintenant ici. Où ça, des cardillères? T'as trouvé? Y en a qu'une. Alors, on a deux consoles, mais on peut en utiliser qu'une. Cloud, à toi de choisir. Ça change quoi? L'un ou l'autre, ça fera le même résultat, non? Et donc ça, c'est la console qui sert à transporter des gigabombes. On les appelle aussi Big Bang. Elles sont particulièrement puissantes. Alors si on les jette, il en aura moins. Je te laisse décider de ce qui est le mieux. Ce qu'il y a bon, on a des munitions, ok. Vous réduirez la fréquence à laquelle l'immense machine de guerre utilisera machin. Bah je vais voir l'autre truc. Ils servent à quoi au juste ces cardillas? Ils améliorent le programme de gestion des mouvements. Ce qui veut dire qu'ils rendent le robot plus rapide. Un robot puissant et rapide? S'en fout de ça. Moi je tire avec l'autre. De toute façon c'est de la visée auto. Prends ça. Ça, c'est la console. Et regardez le geek là. Gigabombe validée. Super. J'imagine la tronche qu'il tire. Tu prends aucun dédé, tu vas en Yolox. Exactement. Et sans soin et sans pain de mana là. Envoyé au rebut. À mon avis, tout est entreposé dans une même salle. Intéressant. Des gigabombes, des cœurs d'IA. Ça doit avoir beaucoup de valeur tout ça, non? C'est propre. On pourrait les récupérer. Bah oui. Faudra d'abord trouver cette salle. C'est par où la suite? Par là? C'est d'où je viens ça? Ouais, je crois bien. Non. Habitants de Midgar, écoutez-moi. Oh. Tout ce que la Shinra vous raconte, non, t'ennuies. L'Amako est l'énergie vitale de la planète. Ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Alors Barrett, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message. Tu peux être sûr qu'ils ont coupé le son. Ah oui, nulos. Trop con, lui. Pardon. Vous en avez fini du temps. Garde ton sang-froid. Ouais, laisse-moi faire. Préparatif terminé. J'arrive. Te rattrape pas. C'est pas fini. Ça va te faire sortir les yeux de la tête. Voilà. Je sais que ça te dérange. Je m'en charge. Il ne deviendra jamais streamer. Il connaît rien, il est trop nul quoi. C'est même pas qu'il était mute sur OBS, le con. Allons-y. J'arrive. Ça c'est les setups double PC ça, on se rend compte de rien. Voilà ce que ça fait après. Je vais t'en mettre plein la vue. Oh. C'est un homme. Il est l'heure de prendre ta raclée. Sur la CV, vous avez le son. Ouais, nous, on vous entend, nous. Et du coup, on entend l'autre connard hurler. Permanence. Ça va, pourtant. Potion et écran quoi? Écran bio? J'ai un écran bio. Ramasse, ramasse. Je t'en supplie, ramasse. Je sais pas ce que c'est. Carte d'accès. Oh, nice. Bah, je peux... Je pourrais peut-être faire l'autre truc du coup.
chargement est fini. Les intrus sont ici. À propos. Les intrus sont arrivés. On a dû s'arrêter. Merde, c'est mal fait. On ne peut pas se permettre de perdre davantage de temps. Dépêchez-vous de nous envoyer tous les éléments. Tu vas crever. J'attendais pas ça. Code de maîtrise d'une compétence d'arme au maximum. Hein? Comment ça? J'ai rien fait. Allez, je suis prêt. Et bah fais des trucs, petite Tifa. Je t'en supplie. Merci, ma petite. Merci beaucoup. Mais c'est beaucoup trop. Merci beaucoup. Morsu. J'essaie de finir le combat en solo et sans me heal. Poudre punitive. Poudre punitive. J'arrive pas à viser autre chose, ça veut pas. Voilà. Non, je peux pas. Non, je peux pas. C'est trop tôt pour ça. Merci beaucoup pour la bocado à Bakary Potter. Bakary Potter. Morsu. Quand tu équipes une arme, tu as une compétence liée à cette arme qui devient dispo. Ah ! D'accord, j'aime bien ce genre de principe, moi. Parce que plus tu combats avec une arme, plus bah, tu montes ta compétence de cette arme, avec cette arme. J'aime bien. Ça, c'est mes réflexes de joueuse. Mais lui, on s'en fout, il me tape pas. Ah oui, non, mais faut que je fasse ça, moi. Enchaînement rapide. Je l'oublie que j'ai ça. Il fait pas le poids. T'as trouvé une carte? Une seule, oui. Non, deux. Et cette fois, il y a trois consoles. J'ai deux cartes, connard. Pardon. J'ai deux cartes. Suis un petit peu. Quand c'est pas moi qui suis, c'est le GSM, et toi, tu fais un effort. Ça, c'est la console. Donc j'arrête d'insulter, pardon, pardon. Ce qu'on jette. On va foutre le bordel. Tais-toi. Gigabombe. Je vais voir les autres trucs. C'est la console de contrôle des cœurs d'IA. Ok. Et la troisième. Bah elle est où la troisième console? Ah c'est celle-là. Ah c'est 2 gigabombes et une cœur d'IA, c'est ça. Deux fois la même? C'est quoi celle-là? Ah non. Les unités M. Une sorte d'amélioration pour le robot. Je te laisse choisir ce qu'il vaut mieux jeter. Et je sais pas ce que c'est, les unités M. Aérodestructeur. Bah je... Ouais ça dégage. Je crois que je vais faire encore les grenades, hein. Rejet de l'unité M, va. Tu vas voir, Heidegger. Ça va te foutre la rage. Tout premier truc qu'on a acheté. J'ai déjà oublié ce que ça faisait. Les gigabombes. Je sais plus ce que ça fait, mais moi non plus. En utilisant la compétence aussi. Ah, ok, merci Vidono, ok. Rejet de la gigabombe validé. J'imagine la tronche qu'ils tireront quand ils s'en rendront compte. J'ai hâte. On va bientôt. T'as l'air con. On va foutre là. Non, on s'en fout. Non, sans. Ah, la conversation sans intérêt. Allez. Interminable. Moi, je veux un endroit où me heal.
T'as posé des armes? Je crois que je l'avais fait, ouais. Je crois bien. Enfin, celle de Cloud. Les autres, je suis pas sûre. Mais ils étaient même pas dans ma team, en fait, avant ça. C'est ça, le problème. Magnifique capacité d'auto-régénération. Ah, bah, c'est bien, alors. Réduire... Ok, c'est une bonne chose. Mais y'a combien de niveaux? C'est si long! Tu vas crever! Très bien. Il faut que je tienne le coup. Mais qu'est-ce que t'as foutu? J'espère que ça te plaît. C'est ça va te faire sortir les yeux de la tête. Je crois que tu vas pas t'en tirer. Dégage de là. Ah. Adieu. Ça va pas. Ah. Allez, casse-toi. On est plutôt bien barré. Alors voyons, qu'est-ce qu'il transporte? Il y a 4 consoles. Ce serait bien d'avoir plus de cartes. On est qu'à l'étage moins 5, il y en a encore 5 étages comme ça, c'est ça le délire. Bon, j'ai 2 cartes. Pas mal déjà. Ici, c'est le cœur d'IA. Mais il vaut mieux vérifier les autres. Ici, c'est le cœur d'IA qui accélère les... Ah, les deux. Ok. C'est les unités M, c'est ça? Ouais. C'est une occasion unique de foutre la honte à la Shinra. Oui. Tu vois, je fais. Rejet de l'unité M. Ça leur apprendra. Et ensuite, l'autre console, c'est pareil, c'est une ITM, j'imagine. C'est des gigabombes. Essaie de jeter ce qui l'affaiblira le plus. Ouais, gigabombe. Moi, ça me plaît pas qu'il ait ça. Sur rapide, je m'en fous. Tant qu'il me fait pas mal. C'est ça, ma mentalité. Rejet de la gigabombe. J'imagine la tronche qu'ils tireront quand ils s'en rendront compte. Vous croyez que le robot sera assez affaibli? On a fait ce qu'on pouvait en tout cas. Ça devrait aller, on l'a bien dépouillé. Maintenant, il reste plus qu'à attendre le résultat. J'espère qu'on aura un endroit pour se heal un peu et tout, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut. On approche de la sortie. Oui, t'inquiète pas. Dès qu'on aura éliminé le tas de ferraille, t'appuies sur le bouton. Vous écrasez un coup de cagotte. Je dois me concentrer. T'es foutu. Écoute-moi ça. C'est pas fini. Je serai sans pitié.
faut que je me ressaisisse. Il est pas mort lui. J'arrive. Trois jours pour mourir. Prends ça. Donne-moi ça. Je Il me faut un endroit pour me poser, sauvegarder, je t'en supplie, le jeu. Encore un étage avec encore plein de gens. Là, le jeu crash. Oh, c'est pas bien grave, ça. C'est pas bien grave, ça. Les sauvegardes auto, très régulières. On a fait notre possible. Il nous reste plus qu'à croiser les doigts. En bas, c'est là où on était. D'accord. Et du coup, là où on était... Ah, d'accord. Je voulais voir s'il y avait du loot, espèce de... d'une bande d'impatients. Bon. Eh ben, on n'aura pas eu de safe zone. Plus que quelques réglages. Faites vite. Le directeur s'impatiente. Ok. Il est pas encore prêt. Les intrus. Tous sur eux. J'ai besoin de temps pour les réglages. Ouais, bah ça va être mort, hein. C'est moi. Je veux un rapport sur l'aérodestructeur. Excusez-moi. Je t'en prie. Ça se présente mal. Adieu. C'était prévisible. Envoyez-le immédiatement. Mais t'es derrière là, au bout d'un moment. Donne donner là. Ouais, aucun problème. Je me laisserai pas passer. C'est pas possible. Merde. On dirait que c'est parti. Alors, je vais vous sortir d'ici avant l'aérodestructeur. Prends-toi ça. J'arrive. C'est le moment. Fini. Merci, ma petite. Je vais te faire trembler. Il s'est pris pour qui, celui-là? Regardez. Il s'est pris pour Fur. Une safe zone, n'importe où, s'il te plaît. Avec un petit banc pour me régénérer, s'il te plaît. C'est donné. Ce sont les caractéristiques bon, bah. Du robot, non? Et j'avance, hein, mais je suis juste au bord de la mort depuis une heure. Si on arrive à garder notre sang-froid, on le vaincra forcément. On devrait décider d'une pause pour la victoire. Un truc bien synchro pour le... Oh. Je suis sûr que... Pas question. Allez, hein, voilà. Oh merde! On peut pas monter par là! Oh merde! Ils ont même pas mis un petit banc nulle part pour au moins qu'on se régénère la vie! Par les tuyaux. Cherchons autre chose. Il y a un truc qui arrive! Je suis tellement déçu de... Non mais il est complètement malade! Coucou, c'est qui? Coucou, monsieur Pepper, comment ça va? C'est mal barré. J'arrive. C'est moi le truc qui arrive. Il y a un truc qui arrive, monsieur Pepper. Et que moi. Comment ça va? Ça s'est bien passé dans live tout à l'heure. Rien ne m'arrêtera. C'est incroyable. Prends ça. Goûte-moi ça. Faisons autrement. J'arrive.
Je me disais qu'elle allait me tuer. Hey, tu crois que je te paye pour évincer? J'ai subi pire que ça. Foudre punitive. Danger d'électrocution. J'en veux encore. Tu m'en diras des nouvelles. Mange-toi ça. Voilà. J'ai sauvé la planète. J'ai essayé. T'es tellement la plus meilleure que t'as pas besoin de soin. La barre de vie vide est la même pour tout le monde, putain. Ils ont repris la musique qu'on entend dans Super Smash Bros. J'espère qu'ils ont versé les droits. N'importe quoi. J'avoue. C'est comme ils ont repris aussi des maps qu'on voit dans Power Wash. Donc j'espère qu'ils ont versé les droits aussi quand même. Allons-y. J'ai besoin d'une pause, il suffit de serrer les dents. Je vais te faire cramer la cervelle. Je tiens encore debout. C'est cadeau. C'est insupportable, je peux plus rien faire en fait. J'ai vraiment pas de quoi me... pas de quoi résister quoi. Je serai sans pitié. Attends, faut que je me reprenne. D'accord, on y va. Bah non. Tu vas cramer. Cette fois, je crois que c'est la fin. Un peu vanné, mais ça va. Ouais, franchement, je dirais la même chose en vrai, Pepper. Non, ça va, mais... Là, ce qui me saoule, c'est que vraiment, le jeu me donne absolument rien. Pour... Là, ça fait depuis vraiment des heures que j'ai rien eu. Pour m'acheter des soins, pour me reposer, tout ça. Par les tuyaux. C'est chiant en fait. Enfin, j'ai plus rien sur moi au bout d'un moment. La zone est beaucoup trop longue. C'est beaucoup trop chiant. Voilà. Non mais il est complètement malade. C'est un peu chaud là. J'arrive. C'est pas fini. Faut que je souffle un peu. Je peux le faire. Tu peux le faire, ouais, ça se voit, meuf. C'est très efficace, là, c'est... Ouh, c'est fou. Je compte sur toi. Ça me va. Non, mais s'il te plaît, regarde au moins en face de toi. Nickel. Faut que je me ressaisisse. J'ai plus de potions, j'ai plus de trucs de phénix que de potions, j'ai plus rien pour mes. C'est l'autre la meilleure. Pour mes points de magie, c'est foutu quoi. Salut Thanos. Coupe-moi ça.
stratégie. Une grosse décharge. Nickel. Allez, recule, je t'en supplie, dude. Ça va te faire vibrer. Voilà. On veut encore. J'ai subi pire que ça. Ça va pas. C'est ça. Tu fais une petite sieste. Voilà. Tu m'en diras des nouvelles. C'est cadeau. Nickel. Tu peux t'en charger. Je vais faire de mon mieux. Tu vas tenir le coup. Tiens-toi. Prends ça. Attends, faut que je me remette. D'accord, on y va. Prends-toi ça. J'arrive. C'est pas fini. Non mais il est vraiment... T'en veux encore. Dégage de là. Prends ça. Allez. Mange-toi ça. Danger d'électrocution. Ça se présente mal. Prends ça. Ok. Je sais pas ce que ça fait volonté de faire, mais ça doit être bien. Ouais, on sait pas comment, mais c'est stylé. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Comme ça. Oui, bah on va peut-être... Ouais. Rien à perdre en fait. Petite démonstration de puissance. En tout cas, on peut remonter maintenant. C'est clairement ce qu'ils veulent qu'on fasse. J'ai même pas vu le remake, mais c'est speed. Ouais, parce que j'ai choisi moi le mode de combat un peu speed, mais tu peux avoir des combats un peu plus à l'ancienne. Si tu préfères. Moi, je préfère les combats dynamiques. Tienne, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, mais si le jeu me donne pas très vite un petit distributeur pour acheter des soins, on n'ira pas plus loin dans le jeu. C'est impossible. J'ai un éther, hein. Idéal. Nickel. On croit en toi, aux étruchus. Petit coucou, Louis. Aïe, ça commence à... T'es arrivé chez toi ou tu t'approches de chez toi? Ouais. Montrez à la Shinra ce qu'on sait faire. On montra rien du tout, les gars. On est mourant. Vraiment, hein. Il nous faut une safe zone. T'as pas de sort de soin? J'ai plus de points de trucs. Et j'ai plus rien pour mettre mes points. J'ai des points de combat, je sais pas pourquoi, parce que j'ai level up ou je sais pas quoi, d'un seul perso. Quand même chez nous. Voilà, c'est certain. Je suis dans mon lit. Tu dois être content d'être arrivé quand même. T'as un éther, oui, un quoi. Disons que si je pouvais le garder pour plus tard, si je peux avoir une safe zone, je vais pas le dépenser maintenant. Parce que si là par exemple j'ai un banc, bah autant que je m'asseye sur le banc, tu vois. Je le garde vraiment pour le dernier moment. C'est une safe zone ça? Non. Bah alors, dépêche-toi d'ouvrir là.
Il y a un verrouillage d'urgence. Ça veut dire qu'on est enfermé ici? On peut ouvrir de la salle d'à côté. Ils font vraiment tout pour nous emmerder. Mais apparemment, il y a aussi l'entrée. On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés. La salle au trésor. Génial! Allons-y tout de suite! C'est une safe zone? Il n'y a pas un... Comment on fait? Un gled? Le mécanisme est très simple. Il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Mais reposez-vous 30 secondes, putain! Il fait un câble! Qu'est-ce qu'il y a? Ta gueule! Mais comment je veux? Non, mais je suis saoulé. Bon chance, mais c'est foutu en fait. Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. Attends, oui, bah ça doit pas être compliqué si on fait un compte. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt ? 1, 2. Mode de verrouillage d'urgence désactivé. Ça va, écoute, enfin, tuto. Du premier coup, bravo. Ouais, pas mal. Mais vraiment, ils ont besoin de se féliciter parce qu'ils ont actionné un levier et je vais les buter, hein. Je vous promets que je vais les buter. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est là qu'on récupère... Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas. C'est un verrouillage de... C'est différent de l'autre. C'est le même principe, mais il faut... Ha ! Ouais, essayons. Le mode de sécurité maximum est actuellement activé. Faites attention. Activez les leviers à mon signal. Oui, mine ton cul, j'en peux plus, c'est trop long cette session. Ah ! Allez, Tifa, vas-y. D'abord le premier niveau. C'est parti. 1, 2. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fous? On va y arriver. 1, 2. Niveau 1, je croyais que je contrôlais que Cloud. Vous avez été parfait. Continuons comme ça. Niveau suivant. 1, 2. Pas de panique. Non mais faut que... Si elle disait je vais lever, ce serait plus simple. Je peux pas... Je suis pas dans sa tête à l'autre. 1, 2. Niveau de sécurité désactivé. Bravo. Vous avez... Eh ouais, on est des pros. Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. Tais-toi. On a fait la moitié. Encore un petit effort. Tu peux pas me dire ce que tu fais. 1, 2. Bah je l'ai fait. Je l'ai fait exactement ce que tu as dit. Faut qu'on se coordonne. Pardon, je crois que cette section... En fait, ça me saoule. Tout me saoule là. Niveau 3. J'ai fait exactement au même moment. Et exactement de la même manière. Bien joué. On forme une équipe du tonnerre. C'est le dernier niveau. Restons bien concentrés. 1, 2. Bah je l'ai fait. Oups. Bon plaisir à jouer apparemment, pas des masses, non. On va y arriver. Allez, mine ton fion. 1, 2. Je le fais exactement au même moment qu'elle. Il faut que je m'échauffe un peu. Ça n'a pas détecté que j'étais vers le bas. Ah, j'étais peut-être trop vers la gauche avec mon joystick. 1, 2. Exactement. J'ai fait 3 fois le même geste au même moment. Désactivé. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. Voilà. C'est allé plus vite. C'est grâce à toi. C'était génial. Oh putain, interminable, interminable. Oui, enfin. Oh. Le loot. Non, je me heal d'abord. Je vais plus dans aucune salle sans me heal. Hein. Et je vais acheter tout de suite. Hein. Objet. J'ai combien? J'ai 6000.
C'est de l'éther qu'il me faut, c'est ça pour les PM? Ouais. Y'en a qu'un. J'ai plutôt l'impression que Cloud essayait de faire popo. Squalala, nous sommes partis. Bah l'éther en avait qu'un. Donc je suis dans la sauce. Génial. C'est comme tu l'avais dit, Cloud. Ça valait le coup de se faire chier au moins. On rafle tout et on... J'espère. J'espère que ça valait le coup en vrai. C'est Noël. Tes armes. Je sais même plus comment ça se passe, je sais même plus comment on fait, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus, et en plus c'est illisible. Bon, je prends ça, de toute façon ce sera mieux que pas d'amélioration, j'imagine. Comment je fais pour sélectionner d'autres trucs? Ok, je peux pas aller dans les autres constellations du coup? Ah, changer de noyau, d'accord. Ok. Il faut que je fasse pareil avec les autres alors. Donner ses PV à un coéquipier, c'est pas la bonne strat ça. Ah oui, je peux mettre en automatique, je sais pas comment on fait. Écrit où? Attaque. Ok, ça s'est fait tout seul du coup? Oh. Supersonic. On va faire ça moi. Donc je vais revenir en arrière du coup. Là-bas je voulais la mettre. Du coup réglage équilibré. Mais du coup, moi, je veux mettre cette arme. Ah, oh, mais c'est ça que je... Ok, je... Non, merde! Bon, on va garder cette arme pour le moment, parce que j'ai des points avec. Allez, on revient en arrière, s'il te plaît. Ok. T'as plus des invocations, des matériaux? Bah, les invocations, c'est que pour les gros boss. Donc si, j'en ai une. Mais elle est possible que dans les très gros boss, quoi. Pas dans les petits combats à la con. Je vais arrêter la VOD ici. Bisous la VOD.
le boss plus tard. Ciao.